Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Cette semaine, on part à la rencontre de jeunes virtuoses depuis Nyon jusqu'en Amérique, en passant par Beugnat. Un petit détour, mais vous verrez, ça en vaut la peine. Sur le plateau, Laurent Villeneuger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous puisque vous terminez au fait votre grande année avec votre projet, une série de 366 aquarelles que vous avez exposées un petit peu partout dans le monde. Il en résulte également un livre. On va découvrir ce que vous faites tout à l'heure. En attendant, à la maison, et parce que je sais que vous êtes impatient, on débute la saison des festivals avec Cast Live. Du 1er au 3 juin, le château de Duillet est en fête pour sa deuxième édition. Laissez-vous emporter dans ce rêve bleu avec la présidente du festival qui dévoile les nouveautés de ce festival local et familial. Bienvenue au château de Duillet, dans lequel aura lieu le festival Castel Live du 1er au 3 juin 2017. Le Castel Live, avant tout, c'est une affaire de famille. Et effectivement, on a tous, de notre côté, déjà eu l'occasion d'organiser des événements. Et avec le lieu qu'on a ici au château, en faisant des théories un soir autour d'un verre, on s'est dit que la seule chose qu'on n'avait pas encore faite, effectivement, c'était un festival de musique. Je vous laisse me suivre, on fait une petite visite des lieux. On arrive à l'entrée du festival qui est situé en fait dans une partie de la cave du domaine, d'où le fait que vous ayez ces belles cuves à l'entrée. Et après, si on poursuit la visite, parce qu'on dit comme dans tout château, on a notre souterrain. Nouveauté de cette année, c'est cette partie souterrain. Donc l'idée, en fait, c'est que je vais vous montrer après, on a un bar. Donc l'idée, c'est d'aller chercher son verre d'absinthe directement au bar et ensuite d'aller s'abreuver à la source, de remplir cette absinthe à la source directement, qui est de la source potable, c'est l'eau du château. Le fameux bar du souterrain, qui est du coup nouveau aussi cette année. Et là, en fait, l'idée de la déco et de l'ambiance, c'est qu'on a gardé les couleurs de l'édition 2015. Alors voilà, là, on arrive dans la salle où a lieu les concerts sur la petite scène. Ici, on est plutôt dans une ambiance, on va dire, l'idée c'était de faire une ambiance un peu cosy, chaleureuse, où là, les gens sont plutôt assis, on boit un verre entre amis, tout en regardant un concert. Par rapport à ce qu'on a peut-être aperçu tout à l'heure, on essaye de faire made in château, comme on dit, avec surtout du matériel viticole. Les tables sur lesquelles les gens vont pouvoir boire un verre, c'est des palettes. La scène, c'est des caisses à pommes. Après, il y a une partie, bien sûr, du matériel qui est loué, comme tout ce qui est son, lumière. Alors là, on arrive sur la galerie, comme on dit. C'est un lieu qui a été créé pour la première édition en 2015. Donc l'idée ici, c'est d'avoir un petit coin un peu cosy, lounge. Et puis, si vous venez de ce côté, on a la partie en fait gradin, qui n'est pas tout à fait terminée. Où là, justement, pour ceux qui le souhaitent, qui ne veulent pas forcément être dans la foule en bas, peuvent se mettre ici à l'aise, assis, pour profiter du concert qu'il y a sur la grande scène. Aussi, une des volontés en fait du comité, c'est de diversifier la musique. C'est pas d'avoir une musique propre, c'est dans le sens d'avoir tous les styles. Et puis là, justement, on a entre autres, jeudi soir, on a The Two qui se produit, Selena Sophia. Le vendredi, on a Junior Chaka, entre autres. Et samedi, vous avez Anakwan, qui est plutôt de la musique celtique. Et un groupe de reprises pour finaliser le festival. Même en faisant une édition tous les deux ans, là ça fait plus d'un an, voire un an et demi qu'on est sur le sujet. Ça fait plaisir aussi à voir, c'est que la moitié des bénévoles qui viennent de Duillet, donc les gens bougent pour ce qui se passe chez eux, c'est cool.
Une aquarelle par jour, c'est le défi que s'est lancé Laurent dans cette grande année. Vous terminez votre voyage les 9, 10 et 11 juin à Morges, après un petit passage à Prangin. Comment ça s'est passé cette année ? C'était une année formidable, une grande année, forcément. Pour moi, c'était très riche au niveau artistique et nature, puisqu'il s'agit de ça, hein, c'est d'aller peindre une peinture dans la nature tous les jours pendant une année. Et c'est aussi la grande année parce que c'était particulier au niveau du calendrier. Il y avait un jour de plus, un 29 février, donc 366 jours. Et ça, c'était magnifique. C'était plutôt très personnel, très... j'étais souvent seul, en fait, évidemment, ça demande de la concentration, etc. Et puis là, c'est la phase un peu, on va dire, on tour, avec l'exposition et puis une exposition nomade qui, va se terminer à Morges prochainement. Seul, mais pas seulement, puisque vous aviez aussi la volonté de partager avec le public une fois par mois. En fait, les personnes pouvaient venir à votre rencontre. Voilà. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, je ne savais même pas où j'allais en partant de la maison. Si j'allais à gauche, à droite, au lac, à la montagne. Des fois, je disais que je partais dans le Jura, je revenais au bord d'une rivière, etc. Une dizaine de fois dans l'année, j'ai donné des rendez-vous précis et fixes. Et puis, effectivement, le public pouvait venir, partait avec moi en forêt ou peu importe où était le rendez-vous. Et puis, assistait au choix du sujet et à la naissance de la peinture en direct, en fait. Et le tout prenait généralement bien 2 ou 3 heures. Mmh. Et c'était vraiment des super moments d'échange. Mmh. Vous êtes un amoureux de la nature, hein, pisteur. Vous avez aussi écrit pour la salamandre. Mais finalement, pourquoi avoir choisi la peinture et peut-être pas la photographie qui peut avoir des points de similitude ? Alors évidemment, la plupart de mes collègues sont soit cinéastes ou photographes. On a en gros le même métier. Il y a juste le média qui change. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que, gamin, je rêvais peut-être d'être photographe. Peut-être le côté aussi des appareils, etc., attire beaucoup les enfants, ou l'enfant que j'étais en tout cas. Et puis le dessin peut-être m'a permis aussi d'être peut-être plus, d'exprimer un peu plus ce que je ressentais. En tout cas, ça me convenait mieux. Et de fil en aiguille, c'est vraiment devenu le moyen de m'exprimer et puis de rendre surtout ce que je ressentais dans la nature face à ces animaux ou ces paysages. Ouais. Comment vous choisissez justement ? C'est-à-dire vous vous baladez dans la nature et à un moment vous décidez de vous arrêter parce que ? Qu'est-ce qui déclenche ? Parce que, alors justement, les gens ont pu le voir en direct parce que des fois c'est évident, il y a un coup de soleil, il y a une vue, il y a un animal qui surgit. Et puis des fois on tourne un petit peu en rond, on revient en arrière. Et qui surgit justement ? Je vous interromps parce que voilà, l'animal il surgit mais il peut repartir. Alors, il surgit, mais il faut qu'il reste un petit moment, voilà. Effectivement. En tout cas, quelques minutes, le temps en tout cas, de faire ce qu'on appelle un croquis, une esquisse au crayon, avant de mettre la peinture. La plupart des occasions, la plupart des observations, je ne peux pas en faire des images, parce que c'est trop rapide. Donc, il y a énormément d'approches, de repérages, d'observations, avant de pouvoir faire une image. Et autant, ça peut se passer dans les 2-3 minutes au début de la balade, autant, des fois, il faut attendre quelques heures. On vous voit là dans les images, bon là ça va très vite, mais le temps que l'aquarelle soit commencée et qu'elle soit terminée, ça prend combien de temps ? Alors ça dépend, mais c'est effectivement plutôt de l'ordre de 1 heure, 2 heures ou 3 heures, suivant la complexité du sujet. Mais ça c'est uniquement le temps de peinture, ensuite il y a le déplacement, le choix, on en a parlé. Donc c'est un processus qui est relativement long, et puis par rapport à la photographie et puis au monde du pixel dans lequel on vit aujourd'hui, je suis assez fier, et puis plus ça va, plus je revendique ça, c'est qu'il y a une certaine lenteur et puis une immersion qui est vraiment nécessaire pour produire ce type d'image, en fait. Si vous deviez choisir le meilleur et le pire moment, qu'est-ce que vous diriez ? Je vous laisse choisir par lequel vous commencez. Alors, le pire moment, c'est vrai que là, je m'étais mis cette contrainte de sortir tous les jours. C'est clair qu'il y a eu des jours… Par tous les temps. Voilà, par tous les temps. Donc, on s'équipe, il y a plein de possibilités pour s'abriter. Mais c'est vrai que certains jours, je serais bien resté qu'une tasse de thé ou chaud. Mais du coup, souvent, ça se transformait en un bon moment parce qu'une fois que je m'étais lancé et puis que j'étais dehors… comme dit un copain, en fait, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Et souvent, d'ailleurs, il y a des très, très belles lumières, des lumières différentes. La nature est calme, on peut faire d'autres rencontres à ce moment-là. Donc souvent, ça se transformait en des très bons moments, voire même les meilleurs, justement. Parce que la petite clairière ou la rive du lac, où d'habitude, il y a du monde, c'est très calme. Et puis, on peut, tout d'un coup, il y a un oiseau qui est en train de migrer jusqu'en Sibérie, qui s'arrête pendant quelques heures et on peut le dessiner à ce moment-là. Cette année se termine avec un livre, La Grande Année.
On retrouve donc toutes les aquarelles à l'intérieur. Toutes les aquarelles y sont. Donc c'est vrai que c'est particulier au niveau éditorial, dans le sens où sur un projet quel qu'il soit, on sélectionne souvent les meilleures images, on met en valeur certaines, etc. Et là, volontairement, il y a ce fil des jours, le fil de l'année qui est maintenu. Il y a toutes les aquarelles sont présentées. Et puis surtout, elles ont toutes la même valeur. Elles sont toutes à peu près en pleine page, et puis je ne mets pas en avant une plus que l'autre. Alors il y a une forme de sincérité, parce qu'il y a des images qui sont forcément meilleures que d'autres, mais le but c'est aussi de montrer, finalement c'est comme un carnet de voyage, on pourrait dire, à travers une année, et puis surtout à travers la région, qui est en l'occurrence magnifique. Et vous terminerez par les 9, 10 et 11 juin à Morges, vous étiez d'ailleurs de passage à Prangin, et vous m'avez avoué que vous avez retrouvé un professeur que vous connaissiez de Nyon. Bah oui, puisque je suis né à Nyon, j'ai fait mes premières classes dans la région, et au château de Prangin, là, il y a quelques jours, un monsieur s'avance et me dit « Mais tu ne me reconnais pas ?» Et c'était mon prof, à l'occurrence, ça devait être en deux ou troisième année primaire, qui m'avait sans doute inoculé cette passion de la nature qu'il avait lui-même. Et puis, il m'avait un petit peu lancé là-dedans. Avec, bien sûr, au niveau familial, on était beaucoup dehors, on était beaucoup en montagne, mais peut-être les deux mis ensemble, ça fait le bon mix, la bonne étincelle. Donc c'était un très beau moment de le rencontrer à cette occasion. Merci Laurent pour ce moment et d'avoir été avec nous. Dernière question, est-ce que ça vous arrivait de peindre en musique ou c'était toujours au son de la nature ? Alors, dans la nature, je ne mets pas d'écouteurs. Et les sons de la nature sont très agréables. Et pour nous, c'est aussi des très bons moyens de repérer les animaux. Énormément de choses qui se passent avec les oreilles. Par contre, à l'atelier, très très volontiers, de la musique toutes sortes, de l'opéra, du gros rock, suivant le type de format, le type de toile, c'est assez intéressant, effectivement. Très bien. Eh bien, il y en a certainement qui ne pourraient pas s'en passer. C'est des élèves du COV, le Conservatoire de l'Ouest Vaudois, puisque ces élèves sont en pleine préparation d'un concert qui se jouera en compagnie de l'orchestre d'Acapo. Ils ont tous moins de 16 ans, mais sont déjà de jeunes virtuoses. Ils, ce sont des élèves du Conservatoire de l'Ouest Vaudois, choisis par leur professeur pour leur talent. Ensemble, ils préparent la prochaine apparition publique, un concert organisé par l'orchestre d'Acapo. On apprécie beaucoup leur manière d'appréhender le travail avec les jeunes. Le chef d'orchestre, Ahmed Hamdi, a une psychologie extraordinaire de leur faire passer en fait le sens de la musique, et parce que faire de la musique chez soi c'est très bien, mais de leur donner la possibilité de partager avec les autres, ça met en valeur non seulement leur talent, mais ça leur apprend aussi à être à l'écoute d'expériences de musiciens professionnels, et ça leur apporte énormément. Ces jeunes-là, en fait, sont des jeunes qui suivent un cursus pour des élèves doués, et on s'est dit qu'on allait mettre l'accent sur eux. C'est une démarche aussi de Acapo. Ils souhaitent en fait mettre les jeunes talents à l'honneur, et ils m'ont demandé en fait de leur trouver des jeunes de chez nous qui méritaient particulièrement de jouer avec orchestre. Donc, qui sont ces jeunes ? Alors, les jeunes de chez nous, il y a Mia Nguyen, qui est une élève chez Laurence Boissonnat, qui a 16 ans, élève au gymnase de Nyon. Il y a Laetitia Exertier, une jeune élève de 12 ans, qui est élève chez moi-même. Matteo et Charles Arbet-Engels, deux élèves de 14 et 12 ans, aussi élèves chez moi. Et une violoncelliste qui est élève de Nathalie Manzer et qui travaille à Bussigny, qui s'appelle Osioma Madoumer. Ils sont tous très musiciens, très sensibles. C'est des élèves qui ont aussi des aptitudes intellectuelles au-dessus de la moyenne. Donc j'essaye de m'adapter et de leur mettre en fait à disposition en fait une pédagogie qui en fait les encadre. Une pédagogie à la fois exigeante, parce qu'il faut être exigeant, parce que dans ce cas-là, l'exigence, c'est en fait une façon de montrer à ces jeunes que si on est plus exigeant avec eux, c'est parce qu'on les aime aussi beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît dans la musique ? On peut faire passer des sentiments, on peut jouer son humeur. On dit souvent qu'on n'a pas les mots pour exprimer quelque chose, mais dans la musique, on n'a pas besoin de mots. On exprime tout à travers moi, en l'occurrence à travers mes doigts. J'aime bien aller au piano et jouer. Ça peut être relaxant ou amusant. Et puis en fait, je peux écouter les airs dans la rue et puis je peux essayer de les remettre au piano.
Et puis ça, j'aime bien faire. La musique, bah, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est différent du monde dans lequel on vit. Enfin, on peut s'exprimer. Et puis ça nous permet un peu de se libérer, de se relâcher. On a fait une répétition avec l'orchestre. Puis ça va assez bien, je trouve. Et bah, j'aime bien le morceau, en tout cas, moi. Je trouve vraiment cool mon mouvement. C'est un morceau qui va vite. Et je préfère, j'aime bien ce qui va assez vite. Et puis j'aime bien bah, tous les rythmes, la couleur, et surtout jouer avec l'orchestre. C'est vrai que jouer avec un orchestre, c'est complètement autre chose qu'écouter quelqu'un jouer avec un orchestre. Quand tu es au milieu de ces instruments, c'est complètement différent. Je joue, après c'est lui qui joue, donc il y a un peu la compète entre l'orchestre et le piano. Et aussi, ça fait beaucoup de sons, donc ça peut être bien. Ce que je veux, c'est essayer de faire passer mes sentiments, qui sont peut-être là, dans ce morceau, la joie et puis un peu un côté de fête, pour qu'après, les gens ils puissent interpréter différemment, que certains souvenirs leur reviennent et puis qu'ils aient du plaisir. Ouvrez grand vos oreilles, ces véritables génies de musique sont à entendre le 11 juin au Temple de Nyon et le 16 à l'église Saint-Germain de Genève. Musique maestro. Qu'est-ce que tu penses de ton frère quand il joue ? Je trouve qu'il joue bien, il arrive à jouer super rapidement. Enfin, comme promis, voyage jusqu'en Amérique, ou plutôt l'Amérique qui vient à nous, avec deux orchestres en résidence à Benin jusqu'au 7 juin. Des airs de musique résonnent à Benin. Deux orchestres américains, le Caroga Lake Music Festival et le Chamber Music Connection, sont en résidence artistique dans la région jusqu'au 7 juin. Le Conservatoire de l'Est vaudois, les communes de Benin et de Nyon, le Conseil régional et Nyon Région Tourisme ont œuvré de concert pour concrétiser l'idée de Catherine Bouvier-Graves. Moi, je suis suisse, mais mon mari est américain et nous passons nos étés dans les Adirondacks où se trouve Caroga Lake. Nous sommes à Canada Lake et nous avons le plaisir de pouvoir assister à tous ces concerts, d'avoir des contacts très proches avec toutes ces jeunes de très très talentueux. Nous les hébergeons, nous cuisinons pour eux, enfin ils font partie de notre communauté qui est une communauté très très sympathique, très joyeuse. Et Cal m'a demandé il y a un an et demi si je pourrais organiser un séjour pour eux ici de 2 semaines, et avec l'aide du syndic de Benin, Monsieur Antoine Nicolas, on a pu monter quelque chose ici pour notre plus grand plaisir à tous. It's going well. We really love it here. Ça se passe bien. On adore être ici, dans cette région. C'est très beau. On a le plaisir d'être dans cette magnifique ville de Benin et de visiter la région de Nyon. Visit Nyon. C'est très mignon. C'est une petite ville parfaite, avec le château et la vue des montagnes et du lac. C'est très joli. La plupart d'entre eux sont logés chez le syndic, d'autres sont logés chez l'habitant à Benin. Et puis quand les restaurants sont fermés, on fait des grandes cantines chez nous et c'est plutôt amusant, on est gâtés par le temps. On ne voulait pas rater l'opportunité de venir en Suisse et de partager notre musique avec la culture d'ici. Et pour partager cette musique, des masterclass, des répétitions et des concerts sont au programme. It's really important for us to share classical music and other styles of music with. C'est très important pour nous de partager la musique classique avec une culture qui apprécie particulièrement ce genre. Pouvoir travailler avec Luc Bagdasarian et sa femme, ainsi qu'avec Le Cove, nous aide à révéler une perspective un peu cachée de notre musique, des découvertes que nous pourrons ramener chez nous, en Amérique. And also be able to work with the Cove helps bring us something, a heightened perspective of our music that we can bring back to America. Ici, c'est très intéressant pour nous parce que il y a beaucoup de conservatoires et beaucoup de musique partout. Un grand week-end de travail aura lieu au Cove du 2 au 4 juin avec des masterclass publiques et des répétitions d'ensemble. Puis un concert de clôture aura lieu à la salle communale de Nyon le 7 juin. On va jouer beaucoup d'œuvres de Wata,
Il est un compositeur suisse aux États-Unis et en Europe en général. Il n'est pas très connu. Et ça, c'est pourquoi qu'il a décidé de jouer cette musique ici. Et pour terminer cette émission, votre agenda. Jeudi 1er juin, l'Harmonie de Terre Sainte et les élèves de l'EMTS donneront un concert à 19h30 à la salle communale de Coppet. Les 8 juin à Tannay, le 15 à Arnay-sur-Nons et le 22 à Chavannes-de-Bois. Du 6 au 10 juin, profitez du festival de théâtre au Jardin du Rosé. Le Cid, Shakespeare et Victor Hugo seront adapté. Enfin, le vernissage de la prochaine exposition du château de Nyon, un bal masqué, 18e siècle et art contemporain, aura lieu le 8 juin à 18h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine depuis le Caribana. Salut, portez-vous bien.